un vrai voyage, c'est quoi ? Dit Cédric. Une folie qui nous obsède, dis-je, nous emporte dans le mythe. Une dérive, un délire, quoi. Traversée d'histoire, de géographie, irriguée de vodka, une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelant, le soir, en larmes, sur le bord d'un fossé, dans la fièvre. Ah, fit-il. Oui, cette année, en décembre, toi et moi, nous devons aller au Salon du Livre de Moscou. Pourquoi ne pas revenir à Paris en sidecar, à bord d'une belle Oural de fabrication russe ? Toi, tu seras au chaud dans le panier, tu pourras lire toute la journée, moi, je piloterai. On part de la Place Rouge, on enquille plein ouest vers Smolensk, Minsk et Varsovie, et tu sais quoi ? Non, dit-il, cette année, ce sont les 200 ans de la retraite de Russie, dis-je. Pas possible. Mais pourquoi ne pas faire offrande de ces 4000 km aux soldats de Napoléon ? Ouais, bien sûr, j'adore ce pilotage. Parce que ça associe tous les désagréments de la voiture aux désavantages de la moto. C'est-à-dire qu'on est coincé dans les embouteillages et en même temps on a froid. C'est donc très russe. Une année avec ces engins-là, on avait fait le tour du lac Baïkal sur la glace. La seule chose, le seul danger avec l'Oural, c'est que si on tourne trop à droite, on soulève le panier. Et là, on peut se renverser. C'est un mot romantique. Imagine, t'as un voyage de noces à faire avec une jeune fille, tu la mets dans la nacelle, et toi, tu pilotes à travers les petites taïgas de la Russie. Ça doit être magnifique de faire un voyage de noces avec un sidecar. Et en plus, c'est une allégorie du mariage. C'est-à-dire que tu es soudé par des armatures, tu as le moteur, tu avances dans la même direction, et de temps en temps, il y a de la casse. Non, mais ce qui est fascinant dans ce personnage, parce que c'est vrai que j'ai une fascination pour l'empereur, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est d'avoir réussi à créer des pages de l'histoire qui ont dépassé le simple intérêt efficace et utilitariste des affaires du pays. Il y a la volonté tout à coup de la conquête du monde, quoi. Donc il y a une folie. Il y a quelque chose de profondément baroque et de profondément littéraire dans ce projet napoléonien. Sans évidemment une seconde oublier qu'il y a eu un prix à payer pour tout ça, qui a été l'affaiblissement de la France, la mise à sac de l'Europe, les dizaines de millions de morts dans tous les royaumes européens, et puis ensuite la restauration des monarchies autoritaires à la chute de l'Empire. L'histoire de l'Empire a été le moment de l'histoire de France où la justice et l'égalité sociale a été le plus extraordinairement portée au nu. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de France, un boucher charcutier pouvait devenir maréchal de l'Empire par le seul truchement de son mérite et de son talent. Comment ces hommes supportèrent-ils cette marche des fous ? Comment quelques-uns d'entre eux survécurent-ils au carnaval de la mort mené tambour battant dans la nuit et le gel ? De quel métal étaient-ils frappés, ces squelettes en shako, qui acclamaient encore celui-là qui prétendait les tirer de l'enfer par le chemin même qui les y avait amenés ? Fallait-il que Napoléon irradiât d'une force galvanique pour que ces hommes ne lui tiennent pas rancune de leur infortune et mieux, perdent toute amertume à son apparition ? Pas un soldat n'aurait conçu l'idée d'en vouloir à l'empereur. Quoi, disait-il, en tenir rigueur à celui qui nous avait conduits en Égypte, en Italie et en Espagne, qui avait soumis le monde et fait trembler les souverains d'Europe, qui avait fait de l'énergie, de la jeunesse et de l'héroïsme les vertus d'un règne. Il faut quand même bien voir que dans la littérature que nous lisions, que ce soit La Baume, Caulaincourt, François ou Bourgogne, ou Saint-Jean de Bourgogne, il y a là des descriptions de cauchemars dont on n'a même pas idée et qui sont décrites avec un extraordinaire effacement de l'individu. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que le soldat qui raconte l'enfer qu'il a vécu le raconte au nom de la troupe qui a vécu cet enfer, mais pas en son nom propre. C'est un effacement de l'individu auquel notre époque à nous autres modernes, est profondément déshabitué. Car nous avons fait de l'individu
un horizon suprême, nous en avons fait une idole, nous avons fait de l'individualité un horizon limite, nous avons dit que l'individu était sorti de l'histoire, que son seul objectif était de jouir, dans l'hédonisme, dans la consommation, et de dire tout ce qui lui passait par la tête, et de considérer que l'histoire devait se réduire à une expérience qu'il vivait. Ça, c'est ce que nous vivons, nous autres contemporains. Eh bien, à l'époque de Napoléon, ce n'était pas du tout le cas. L'individu qui racontait son histoire ne se mettait pas en avant comme le filtre par lequel passait l'expérience et la sensation de l'histoire. Il se mettait en arrière. Et du coup, comme nous étions imprégnés de ces lectures, on n'avait pas commencé à dire qu'on avait froid aux genoux parce qu'il faisait moins 17 dehors. Ou d'ailleurs, à ce chapitre, si je peux ajouter une petite touche d'humour, c'est qu'on n'avait vraiment pas le droit de se plaindre. Dès qu'on poussait le début du commencement d'une plainte, on se faisait rabrouer par Sylvain, qui nous disait « Mais les gars, il y a 200 ans, ils étaient dans des conditions abominables et vous allez vous plaindre. » Alors nous, on était obligés de se taire et finalement, de toute façon, on n'a pas pu proférer l'ombre d'une plainte pendant tout ce voyage, puisqu'il avait un argument béton, et voilà, c'était... C'était pire avant. Alors que les Russes, ils disent « Buvons car ça sera pire après. » Ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'il se prend à rêver à qu'est-ce qu'il aurait été à cette époque-là et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'aurait été Sylvain ? Je ne sais pas, mais en effet, sa phrase « on est tous des nains aujourd'hui » vient certainement d'une grande frustration d'être arrivé à cette époque où il ne peut plus être qu'une réplique ou une reproduction ludique de ce qui a été autrefois, puisqu'il n'y a plus vraiment les mêmes enjeux. C'est parce que tout d'un coup, le cerf, comme l'aristocrate, comme le bourgeois, comme le marchand et comme le monarque, se sont tout à coup aperçus qu'il y avait un ennemi commun. C'est une vieille histoire dans l'histoire des hommes, c'est un invariant de l'humanité. Tout à coup, ils se sont dit qu'il y avait un ennemi commun, un ennemi commun, et qu'il était temps de faire l'unité. Et donc l'unité russe, le sentiment patriotique russe est né de l'histoire de Napoléon. Deuxièmement, il y a quand même une fierté des Russes à avoir été ceux qui tout à coup ont mis un terme à l'espèce d'extraordinaire ascension dans la gloire militaire de Napoléon. Alors les Russes, évidemment, qui s'imaginent toujours qu'ils ont un destin extra-européen, qu'ils sont une sorte de peuple d'exception, quelque part entre l'Asie et l'Europe, ont acquis, à mon avis, l'immense fierté d'être les premiers à avoir mis un obstacle à Napoléon. Oh, nous aimions ces Russes. Chez nous, l'opinion commune les méprisait. Je nourrissais une tendresse pour ces Slaves des plaines et des forêts, dont la poignée de main vous broyait à jamais l'envie de leur redire bonjour. Et puis, il y avait leur rugosité de premier abord. Un Russe ne faisait jamais l'effort de vous séduire. On n'est pas des portiers de Sheraton tout de même, semblait-il penser en vous claquant la porte au visage. Pour moi, c'est un ami, hein, avant tout. Je pense que c'est vraiment une chance pour moi d'avoir rencontré Sylvain. J'avais lu un jour « On fait les rencontres qu'on mérite ». Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette rencontre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis 10 ans que je fais des reportages avec Sylvain, c'est toujours avec une immense joie que je pars avec lui. Parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, il faut bien l'avouer. C'est quelqu'un d'abord d'extrêmement prévenant. Il est extrêmement attentif aux autres, en reportage, hein, mais bon, je pense dans la vie de tous les jours aussi, bien sûr. Bah, c'est un copain, en fait, c'est un copain au sens le plus sympathique, le plus noble du terme, quoi. Et là, il allie deux choses que, en France d'ailleurs surtout, on juge souvent contradictoires, c'est-à-dire l'intellect et le baroud. Et souvent en France, ça rend les gens un peu suspicieux, quoi. On dit, c'est pas un vrai alors, il peut pas être les deux, quoi. Soit c'est un écrivain, soit c'est un aventurier. Et en fait, Sylvain, tout le monde sait que c'est un écrivain, il a une vie fantastique. Mais pour ce qui est du terrain, il faut avoir été avec lui pour comprendre à quel point
ce garçon est résistant, extrêmement résistant, et à quel point il a une volonté dans sa caboche là, qui le fait avancer malgré les douleurs, malgré les problèmes aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui renonce pas quand il y a une difficulté. C'est vrai que Sylvain, il en rajoute toujours, il est intenable, il est comme un gamin, s'il y a un arbre, il monte dedans, s'il y a un rocher, il escalade, il a une forme comme cette hyperactivité que moi je n'ai pas et que Thomas n'a pas, par exemple. Donc dans la forme, oui, il faut le modérer, il faudra encore le modérer, à mon avis, malgré ce qui lui est arrivé. Pour moi, après la Bérésina, c'est-à-dire que moi, entre-temps, il m'est arrivé des petites péripéties, j'ai fait comme une légère maladresse il y a quelques mois, un léger trébuchement qui m'a valu quelques mois d'hôpital, tout est fini, ça y est, je suis en état de reconstruction de moi-même pour l'instant, encore quelques mois, et j'espère retrouver à ce moment-là mes forces. Et il y a aussi une chose qui m'a permis beaucoup de triompher de ce petit malheur, hein, encore une fois, je relativise beaucoup. C'est l'écriture et la lecture, bien entendu. C'est sûr que quand on est à l'hôpital et qu'on est un profond amoureux des livres, on prend ces journées de stabilité, d'immobilité, de silence, finalement pour une bénédiction. Parce que moi, j'ai pu avaler quasiment un livre par jour, un roman, un essai, de la poésie. C'était merveilleux. Quand on a François Villon, Zweig et Tolstoï avec soi pour essayer de faire passer les journées d'hôpital, le silence est beaucoup moins dur et la solitude est beaucoup moins cruelle. Puis bon, il faut dire aussi que j'étais très bien entouré. Et puis il y a l'écriture. J'ai écrit ce livre de la Bérésina juste avant ma chute. Je l'ai corrigé le livre au moment où j'étais à l'hôpital. Et je dois dire que c'est ça qui est merveilleux dans ce métier. C'est que quand votre métier est d'être bûcheron ou coureur de fond ou mineur du Donbass, c'est embêtant quand on s'est blessé. Alors que écrivain, enfin, ou auteur de livres, même avec un seul bras, Sandrard s'y est arrivé.